Salut à tous, c'est Jordan. Et donc je vais vous présenter tout de suite un beau poisson pour lancer cette session. Une belle miroir. Voilà, on est donc sur un petit étang dans l'Ain. Et bien voilà, au petit réveil, réveillé par cette petite commune, cette nuit ça a été un festival, on n'a pas arrêté. La sieste va être bonne tout à l'heure je pense. Allez, on va la remettre à l'eau. Et ben voilà, ce qui est bien c'est quand on fait des bonnes déroules comme ça, on peut faire des photos à plusieurs. Toujours dans le partage. Allez, trois mémères à l'eau. Après trois communes, trois petites miroirs qui sont venus nous voir pendant la nuit. Alors si on nous demande, on a gardé les poissons en sac, c'est souhait du propriétaire. Parce qu'il voulait voir le poisson qu'il y avait dedans.
Donc voilà pour les questions. Allez, retour à l'eau. Bon, et ben un petit débriefing du coup au matin. On a enchaîné beaucoup beaucoup de poissons, on a une quinzaine de poissons. Ça a déroulé beaucoup la nuit. Hier, on arrive à faire un ou deux poissons, mais pas plus. Et là, cette nuit, festival de poissons. J'avais amorcé une belle zone, on a mis les trois cannes dessus, à plusieurs distances de la bordure. Les trois sont partis, c'était un truc de fou. Donc j'ai pêché assez simplement. Amorçage avec de la bille, de la farine, comme j'aime bien le faire. Et j'ai pêché dessus avec les pop-up carpellites. Donc si celles-ci sont aux fruits rouges, pour vous montrer, j'en avais au maïs aussi, j'en avais à l'ananas. Donc petite pop-up noir et rouge, comme le logo carpellite. Idéal, donc comme ici, bah, ça a fonctionné du feu de Dieu. Où je pêche d'habitude, c'est pareil, j'arrive toujours à me débrouiller pour pouvoir faire un poisson avec. Je sais qu'on peut l'utiliser aussi au zig. Pour l'instant, les températures m'ont pas permis d'utiliser cette pêche-là. Mais je vais peut-être essayer dans l'été. Voilà quoi dire de plus. Bah, les cannes sont encore à l'eau. On va essayer de reprendre un ou deux poissons. Et puis voilà quoi. Ah, puis j'ai un caillou qui me gêne. Allez, on ferme tout à l'heure. Je peux pas aller plus loin. Bon, eh bien, on finit cette session de folie avec au moins une vingtaine de poissons, c'est un truc de fou. Donc elles sont rentrées sur l'amorçage assez massivement, ça a mis du temps, mais une fois qu'elles étaient dessus, elles ne l'ont pas quitté. Wow, une belle session. Prise quasiment toute avec les pop-up carpellites. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine session. Toi qui as regardé la vidéo, abonne-toi juste ici et la prochaine vidéo sera là.